Petit coucher de soleil. Bon, de l'eau, il n'y en a plus, on a tout bu. Et oui, on est en Charente. Là-bas, il y a le Fort Boyard. Là, on est à Châtelet-Lamplage. Et dire que c'est l'Atlantique? Ah bah, ils sont pas grandes les vagues aujourd'hui. Là, il est 19h35. Le soleil se couche. Et la France, elle est sous les eaux. On dit toujours en Charente. Et en Bretagne, il pleut tout le temps, la preuve. Et tout ça, le mardi 14 septembre 2021. La seule chose qu'il y a, faut toujours que je pense. Ah, fermé ma gueule. Et bon. Et vos gueules, les mouettes. Petite promenade du matin. Bon, la mer elle s'est barrée. Et là, je ne sais pas où elle est allée, mais il y en a plus. Hein. Et là, on est le 17 septembre, il fait 20 degrés et on est toujours encore en Charente-Maritime. Et là, on voit sur la commune d'Yves. Là, il y a tous les ostréiculteurs avec leur bassin. Le bruit de la mer, faudra attendre, hein. À part là. Sacrée conception quand même, hein, c'est carrelé. Et là, et tous les bassins pour les huîtres.
bon du iode, il y en a. Hein. Je vous garantis, quand même, elle ne peut pas vous ramener l'odeur, mais elle est bien là. Hein. Et ça, c'est ce que je trouve toujours qu'en Atlantique ou à la Manche. Cette odeur de mer iodée comme ça. Voilà. Là, il y a des bulots. Là, il y a des crevettes. Et là, c'est un plateau complet. Un plateau fruits de mer. Avec des langoustes, une grosse crevette, des bulots, un beurre demi-sel, un stick de mayonnaise et un rince-doigt. Décidément, poche de crevette rose, bulot, bulot. Eh bien, franchement, on aura tout vu. Pourquoi pas, si ça fait marcher le commerce. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Voilà. C'est comme d'hab, faut faire un choix. Ici, c'est tout gris. Et ici, c'est tout bleu. On choisit. Alors nous, on part par là. Hein. C'est dingue, hein, quand même. La nature, comment elle est faite. Quand le soleil sort, là, on le sent bien. Hein. On frôle les 20 degrés. Et comme dit, c'est agréable. La promenade est vraiment agréable. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, de nous soutenir. Comme ça, ça nous motive à continuer à en faire des vidéos. Ah, des jolis deltaplanes là-haut. Ils s'éclatent bien aussi, eux. Regardez les vidéos là-bas. Chercher l'erreur. Oh oh. Par contre, des boulodromes, on veut tuer en volant, hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Il y en a encore de l'autre côté là-bas. C'est une ville qui a bien bossé pour ses habitants. Hein. Ils ont des loisirs en dehors de la mer. Ils peuvent s'occuper. Partout des petits chemins. Franchement, c'est un beau petit coin et très calme. Très très calme. Comme on peut le voir, hein. Pas grand monde. Il est pratiquement 11h. Hein. Les restos s'affolent pour les repas de midi. Voilà, à plus. Petite question, c'est quoi qu'on va chercher? Et en plus, c'est pas loin. C'est là-bas. On y était hier, on a discuté avec la dame, super sympa. Elle vous explique son métier, mais alors je vous garantis, elle vous lâche plus la jambe. Hein. Pire que moi, pour vous dire que ça existe.
Bah oui, ça c'est sûr que... Attends, j'ai plus la fleur, il m'appelle. Hein. Alors, je te dis pas à la maison, parce que qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait. Oh. Ouais. Après, moi. C'est par là qu'on arrive. Je dirais 8-9 mètres, ça peut le faire. Les arbres sont coupés assez haut. Bon, il y a un petit peu des virages avant de venir, mais ça devrait aller. Avec le 750, ça passait sans problème. Ah, il y a l'épicerie. À côté, il y a un snack bar qui est fermé en. À partir de début septembre, je crois. La location de vélo. Piscine couverte, chauffée avec hammam, sauna et douche sensorielle. Comme vous pouvez entendre, il est 8 h du matin, c'est très calme. Il est complet. Hein? Bon, c'est quoi? Petit camping, pas très. C'est la taille familiale. Hein? Voilà, allez, à plus, les amis. Le jeu, c'est le restaurant. Bon, cette époque elle est fermée. Et là-bas à côté, donc la piscine non couverte mais qui est chauffée. Ça, c'est l'aire de service pour le camping-car. Juste à côté. Comme dit, il est assez grand, l'air de service, c'est juste l'accès qui est, celui-là je pense pas qu'il tiendra longtemps, hein. Parce que quand ils vont tourner par là, je pense qu'il va être arraché, et comme il y a un arbre en face, l'accès est un petit peu difficile, bon, difficile, quand je parle de ça, je parle de 7,50 mètres, hein. Parce que jusqu'à 7,50 ça rentre, hein. Je passe par là et... Voilà. Lavabo pour faire la vaisselle. Ils ont vraiment mis un bac sur deux. Hein. Ils respectent énormément le Covid sur certains trucs là. Hein. C'est les WC. De l'autre côté là-bas, il y avait pour mettre toilettes des camping-cars. C'est le bac à linge en eau chaude. Toujours respect 1 sur 2. Toujours pour laver la vaisselle. Pareil, 1 sur 2. Et là, il y a les douches. Avec un sens. On rentre par là, on sort de l'autre côté. Là, il y a les douches. Sans rentre et l'eau est bien chaude. Et un seul sanitaire. Hein. Bon, c'est comme je vous ai dit, c'est grandeur familiale. C'est ce qui est pas mal aussi. Il n'y a pas énormément d'emplacement, on les voit.
reste encore de la place. Hein. Eh oui, les amis, c'est dur d'être à la retraite. Hein. Il est retraité, c'est vraiment très dur. Là, il y a un supplément. Par rapport à la carte taxi, il y a encore un supplément. Bon, on voit le complexe encore. Au moment qu'on le sert avant, ça va. On voit différentes sortes, même avec douche, sensoriel, le hammam, sauna. Il y a différentes possibilités. Et s'il fait gris dehors, pourquoi pas. Franchement, c'est une belle journée, quoi. À l'extérieur, on voit une terrasse sur l'Orient. Solarium. On dit toujours qu'il fait pas beau en Vendée, en Charente-Maritime. Alors septembre, c'est chouette, hein? Ça, il faut le faire, un black pearl. Florium et un black pearl Florium, et je vous garantis que c'est pas un miroir. Et n'oubliez pas, chaque abonnement, activation de la cloche et pouce relevé sont toujours les bienvenus. On compte sur vous. Allez, avec le gaouf, les amis.